Salut YouTube, c'est Gaga62, on se rejoint pour une nouvelle vidéo sur Far Cry 5. On est arrivé à l'épisode 7. Donc on va continuer nos missions. La dernière fois, je sais plus ce qu'on avait été faire, mais on avait été contre des zombies, des sortes de zombies bizarres, tout ça. Et après j'ai plus de missions en rapport avec ça, donc j'ai décidé de faire cette mission-là. Délivrance, voilà. Regardez un peu l'image, voilà, ça a l'air d'être une grosse usine. Et regardez où ça se situe. Là, c'est la région de John. Et là, c'est la région de la fille, un peu bizarre. Après, là, on ira plus tard, la région de Jacob. Mais regardez, ça se situe ici. Donc, je vais faire une ellipse, le temps d'y aller. Et j'espère que ça fera pas d'écran blanc là. Et où il y a une cinématique, tout ça. Mais comme on en a une il n'y a pas longtemps, bah ça m'étonnerait. Bon, là, on se retrouve là-bas. Bon, c'est bon là, j'ai trouvé un moyen d'y aller. Donc on est quasiment arrivé. Et sachez qu'ici, regardez, on s'est quand même aventuré dans une zone très dangereuse. Ouais, tout ce que j'ai. La map là, je l'avais pas découvert. C'est tout ce que j'ai fait, j'étais chercher un avion ici. Oh là là, j'ai pris du temps. Quand vous avez une vidéo de 30 minutes, en vrai j'ai mis 1 h 30 à la faire. Voilà, regardez les gars ce que je vais faire. En fait, je sais pas si vous connaissez. En fait, sur les bras, j'ai des sortes d'ailes et ça fait ça. Un peu comme dans Just Cause 3, ou bien si vous connaissez les sortes d'écureuils qui peuvent voler, bah c'est pareil. Je crois pas qu'il s'agissait de rumeurs. Ok. Un groupe d'éclaireurs vient de me contacter. On va y aller aussi là-dessus. Comme d'hab. De venir dans ta direction. C'est pas une coïncidence. T'auras que quelques minutes pour sécuriser la zone. Fais gaffe là-bas. Ils ont sûrement des otages. Ok. Ah, encore là. Faut que j'en détecte le plus possible histoire de pas me faire prendre par. Par surprise. Ok, j'ai mon arc. C'est beau, n'est-ce pas? C'est la puissance transformatrice de la foi. Les pauvres âmes en proie au doute viennent ici pour trouver la lumière. Magnifique, pas vrai. Qui m'a vu? Oh là là. Pas vu. Oh, tiens où? Je suis là. Je vois pas où ils sont en fait, il y a de la lumière, il y a de la lumière bizarre. Il y a des sons. Bon, ça va tranquille là-bas. Oh, il est là. Mais non, je l'ai pas vu. Il fait quoi? T'en prends mon arme. Ils savent que t'es là. Ils viennent de demander des renforts. Fais gaffe à toi. C'est bon. Allez. En plus, je suis contaminé par la file. Ok, là c'est disparu. Je vais arrêter de le taper mon chien. Dans le bras. Là ça lui fait rien. Ah c'est bon, je l'ai tué. C'est stylé les flèches qu'il y a sur le corps. What? 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 Oh non, j'arrive plus à courir. Il est boomer. Je te vole le kill boomer. Alors ils sont où? Merci de m'avoir protégé. Ah, ok.
suis là, les gars. Où êtes-vous? Au-dessus. Où est l'escalier? Ah, il est là-bas. Attendez. Désolé, les gars, j'avais un truc à l'oreille, c'était bizarre. Tire, mais tire. Je suis mort. Bah voilà. Mon chien, viens. Vite. Oh genre, j'ai pris une boîte entre mes jambes. Mais c'est quoi ça? Regardez-moi ça. Ça c'est ma boîte bonheur. Hop là, tu viens. Il me lèche les fesses. Oh merci. Tu m'as réanimé. C'est quoi l'autre africain qui sauve? Relève-toi. C'est ma faute là, c'est d'être blabé. Je vais rentrer dans le bateau, ça sera plus sécurisé. Je peux pas me faire prendre de loin. Regardez-le là. Voilà. Faut pas m'embêter. Va les tuer. Boomer là, vas-y, fais-toi plaisir. Ils sont où les chitons? Oh, je vais arrêter de faire mon malin. Ok, Boomer, t'en attaques un. Attaque-le. Mais il faut quoi? Je suis parti sous l'eau. Oui. Ah, c'était beau. C'était beau. Je lance ma grenade et je me sauve. Allez vite, faut défendre. Il doit y avoir un petit faltage ou quoi? Ouais, il y a... Il y avait un lance-roquette dans le coin, voilà. Non. Arrêtez de bouger aussi, les gars, ils bougent trop. Mais non, mais d'où? Mais d'où? Allez, Boomer, viens m'aider, dépêche. Tu me diras, on a le temps. Oh non, mais c'est une blague, elle prend trop de temps la roquette. Ça l'a frôlé. Oh, la prêtresse là. J'arrive plus à... Oh, ça me saoule. Elle est là. Tu peux me dire de où je me fais attaquer là en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer de mitrailleuse. Attendez, excusez-moi, je me recharge ma vie. Non, mais c'est le maximum. Attendez, ma vie, elle surcharge. Regardez en bas à droite, elle se recharge toute seule. Vas-y, on se rabaisse. Attends, ma vie, j'attends qu'elle recharge un peu quand même. Voilà, elle est verte. Comme ça, c'est pas grand chose, mais maintenant qu'elle est HS, les jours du calvaire sont comptés. Ça fera un autre.
insecte peut terroriser les gens. C'est du bon boulot. Vas-y, mais dégage l'autre là. Qu'est-ce qu'il a me tiré dessus lui? Officier, ici le shérif. D'après ce qu'on m'a dit, tu libères des gens de la secte. Il m'en faudrait 10, t'es comme toi. Comme ça, cette guerre va terminer depuis longtemps. On a d'autres otages dans le coin. Face et ses hommes les torturent ou en font des anges. Ou des omelettes, comme dirait Tracy. Retrouve-les, ok? Libère-les pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Attends, on va regarder nos missions parce qu'en fait c'est pas normal. Parce que il nous. Alors on va voir c'est où sa mission. C'est où ta mission? C'est où? Elle est à combien de temps? C'est où sa mission? Je crois que c'est là où je suis en fait. Parce qu'en fait d'abord faudrait d'abord finir Holland Valley pour aller après à Aban River. Ah ouais? Je dois aller là-bas en fait. Depuis le début. Oh les gars, on va faire la mission qui est là-bas. Ouais les gars, je voulais vous expliquer en fait pourquoi je vais plutôt faire ces missions là. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a trois parties différentes de la carte. Et moi, je voudrais terminer la première avant de m'aventurer dans la deuxième. C'est logique. Parce que sinon, je vais faire un peu n'importe quoi de mon histoire. Et ça va être un peu n'importe quoi, quoi. Donc, je préfère faire tout dans l'ordre. D'abord, on s'occupe du... Regardez. Moi, d'abord, je m'occupe de toute cette carte-là. Après, on ira dans la deuxième. Après, troisième. Et la dernière, la petite île là, Joseph. Bon, après, je sais pas comment ça va se passer. Mais... Allez, go. Déjà là, les gars, là où je vais, c'est pas une mission. Hein, c'est juste aller parler à quelqu'un qui va nous donner la mission. Si j'arrive à passer ce grillage. What? Comment je suis censé? Le truc est grillagé, je peux pas entrer, je peux pas sauter dessus. Eh bien, entre à son truc là. Voilà. Ok, il y en a qui s'approchent. Enfin, quelqu'un qui s'intéresse à la vérité. Il est pas en conflit là, il brûle les armes. Mais non! Pourquoi je peux pas le parler? Reviens. Ah non, bien sûr. Parle-moi. J'ai remarqué qu'on peut pas. Mais arrêtez! Mais. Il fout quoi? Oh! Viens tirer avant si tu veux qu'il se traite tes balles. Bon, t'es plus en conflit, Joseph, là. DJ. Oh là là, il est en position, il va faire caca, là. Vas-y. Je vais péter un câble. Mais qu'est-ce qu'il fout là, aussi? Bah voilà. Je suis mort, moi. Il n'y a pas intérêt à être en combat. Ah. Mais non! Oh, j'ai failli le taper alors que je peux lui parler. Oh là là, j'ai de la chance. Notre âme est prise de justice. Ouais, je sais qui t'es. Et l'officier qui pisse dans le café mondialiste de ces cinglés. C'est ça. Cette histoire de secte pue du cul. Et tu sais que c'est vrai. Dis-le. Dis-le avec moi. Allez, on est les esclaves du gouvernement. Ouais, voilà, d'ailleurs. Le contrôle mental. Oui, monsieur, c'est leur objectif depuis le début. Tu le sais, et je le sais. Et tu veux savoir comment ils s'y prennent? La bouffe. Mais c'est fini tout ça. Toi et moi, on va bien niquer le gouvernement, en long et en large. Moi, c'est Zip Kupka. Je t'expliquerai tout en route. Allez. Ok, viande hachée.
Viande hachée, ok, on va aller chercher de la viande, quelle mission. Alors, du coup, notre viande hachée. Ouais les gars, désolé pour la grosse coupure, en fait je suis parti de chez moi et je suis revenu le lendemain. Là je suis le lendemain de, du jour où j'ai commencé à tourner la vidéo. Je suis retourné exactement au même endroit là où je m'étais arrivé, hop. Et, c'est comme d'habitude. Par contre lui est chiant à parler. Et du coup ça je l'ai... À tous les étages. J'ai fouillé un peu les environs du parc à bétail. J'ai trouvé des barils pleins de cette salope. Oh, il a tué mon chien. Je parle, hein. Leur crasse. Ils enfilent. Ça, ils se relèvent. Et après, nous, on les bouffe. C'est la règle du conformisme. Faut absolument qu'on détruise tous leurs outils d'endoctrinement. Donc là, si vous avez compris, on va aller dans un élevage de cochons. Et pour récupérer les cochons quoi. Et quand je dis on, je veux parler de toi. Moi je suis trop attaché à ces bêtes. J'arriverai jamais à les abattre. Eh ouais, officier. Tu les euthanasies. C'est la seule solution. Tu dois tuer toutes les bêtes. J'ai coupé mon micro en attendant que j'ai éternué. Alors on doit suivre lui là. Il court mais il va pas vite. Hein. Non, en courant normalement, je vais plus vite que lui. Non. Et voilà, officier. Attendez, excusez-moi, je vais éternuer. Tiens, alors, ok. Ok, les porcs, ils sont là. Tuer tous les animaux drogués, c'est l'objectif. En fait, ça les marque, au moins je sais où ils sont les amis. Je sais combien ils sont, je sais... Et donc là il y a des ours, c'est un peu le bordel. Ah, donc nous on va tuer celui qui se trouve ici. On va abattre ceux qui restent. Oh ma petite Daisy, t'étais si gentil. Tu les as tous eus? Non. On voit encore. Oh. En fait j'ai plus mon arc, c'est ça qui me suit. Là en fait je veux tuer tous les cochons. Ça a pété. Ouais, c'est à côté. Non, ça lance roquette, je fais. Putain. Et il fout quoi notre exolos là, non, il regarde. Putain, franchement, il est handicapé quoi. Quelque... Quel beau chien, il est en train de se battre contre quelqu'un avec une mitraillette. Si je le regardais. Oh les pauvres petits cochons. Oh. Oh ça a loup ça. Oh tes cochons les sont un peu énervés. Ils ont muté ou quoi? Oh qu'est-ce qu'il a le loup là? Oh les sangliers aussi c'est énervé. Oh il m'attaque. Il m'attaque. Le cochon il m'a mis en feu. Oh oui des balles. Oh oui. C'est l'autre en fait qui m'a mis en feu. Voilà. Couvrez-y pendant qu'il pose un explosif. Ça rapporte bien ça pour le revendre. La peau d'animal c'est cool. Je vais aller
posé quelques mines. Leurs renforts vont devoir affronter la colère divine. Si ces démons reviennent par ici, ils auront une petite surprise. Ça devrait faire l'affaire. Il a juste posé ça. Ça leur apprendra à faire du mal à de pauvres petites bêtes sans défense. On recharge nos armes. Ah, ils sont où? Ça y est, ils arrivent. Attends. Ok. Quoi? What? Non, ils envoient les vaches. Non, les vaches! Chia! Ça ne peut pas se passer comme ça! Enfoiré! Qu'est-ce que vous m'avez fait faire? Cours, ma belle! Cours! Vous êtes vif, bande de salopards! Vous avez aucun cœur! Vous avez pas honte! Oh non! Je sens, vous sentez le son, il change! Ah voilà, il y a le feu aussi. Ok. Oh, je suis bugué. Oh là là. Mon chien, il arrive. Non. Attends. Regardez. Non. Ils envoient les vaches. Ryan. Davy. Chia. Je reste caché. Non. Allez-vous-en, les filles. Faites demi-tour. À couvert. Mon chien. Tiens, que elle. Regardez-le, vous voulez une explosion? Oh là, bien faire sauter les jambes. Vous voyez le petit Didier? Ça lui apprendra à avoir tué les vaches. Attends, il y a mon chien qui... Attends, qu'est-ce qui est passé? Oh là là, vous voyez ce que je fais aujourd'hui, ma bête. Attends, je vais déranger avant qu'il... Viande hachée. Viens, tu vois. Voilà. Je suis content. Je suis content que tu sois là. Visuel confirmé, je me rapproche. Ok, on va aller voir le. Hop. Ok, ça c'est pour la prochaine mission, à mon avis. Voilà. Alors, on va faire quoi de ta viande là? Pourquoi? Ces créatures méritaient mieux que ça. Ces pauvres bestiaux ont sacrifié leur vie pour qu'on puisse savourer notre liberté. C'est des patriotes et des héros. T'as raison. On rend hommage à leur sacrifice. Ouais. Parce que l'histoire nous dit que toute grande victoire commence par une tragédie. Eh oui. C'est l'heure de passer à l'action. Mais où? Tu vas me dire? La vieille mine d'or. C'est comme ça que le gouvernement finance toute sa petite opération. Ouais. Tu croyais que c'était fermé, hein? C'est ce qu'avait dit le gouvernement. Faut être débile pour croire le gouvernement. Moi, je te le dis, tout est lié. C'est au moins 10 fois Fort Knox là-dedans. On va faire tomber ce complot mondialiste et rendre l'Amérique à son peuple souverain. Ces démons parlent tout le temps d'effondrement. Ils vont voir ce que c'est. Prends ces charges de termites. C'est les mêmes que celles qui ont démoli la tour 7. Pose-les sur tout l'or que tu verras. Vas-y, cache. Et mort aux vaches, ma petite caille. Ah, pourquoi on le prend pas à eux, le... Tu m'attendais? Putain. Je prends ma retraite. T'as vu ce qui s'est... Allez, qu'on en finisse. On fait un gouvernement sans casque, n'importe quoi. Bon, ils savent peut-être se battre, mais moi, je sais comment les saigner.
Tu peux finir ? Bah voilà, tu vois. Prends ces charges de termites. C'est les mêmes que celles qui ont démoli la tour 7. Pose-les sur tout l'or que tu verras. Vas-y, cache ! Et mort aux vaches, ma petite caille ! Ouh ! Allez ! Tu m'attendais ? Attends, je vais passer le temps qu'il finisse sa phrase. Ouais, voilà. Mauvaise mine, mission principale. On est parti. Hop. Ok, mauvaise mine. 787 mètres. Bon, allez, on va y aller. Hein. Bugger celle-là. Alors, on est à la mine. Ça doit être intéressant quand même. Attends, je le cache, il y a un avion. Eh les gars, je suis désolé. En fait, j'ai continué la vidéo après. Et ça. Comment dire ? Le clip vidéo s'est effacé. Donc, je sais pas où ça va me mettre. Parce qu'en fait, je suis mort. Je voulais arrêter. En fait, là, j'ai juste placé les explosifs. Il y avait des gens, je les ai tués, mais là je dois protéger. Ils se dirigent vers toi. Les laisse pas désamorcer les charges. Elles sont toutes reliées, sinon on s'appêtera pas. Attention, il y a des bombes dans la mine. Allez les désamorcer avant qu'elles explosent. Dépêchez-vous. Voilà, vous avez pas loupé grand chose. Le moment le plus important c'est maintenant. En fait là je dois défendre, en fait j'ai placé des mines, il y avait quelques gars tués. Je les ai tués, j'ai placé les mines et là maintenant il y a de nouvelles personnes qui m'attaquent. Encore vivant. Tire. Oh, les gars, ils meurent pas. Attends, est-ce qu'il est mort là? Ah, je crois qu'il était encore vivant. Et donc là, il me reste 3 minutes à protéger. Oh, magnifique. Je sais pas ce qu'il fait lui devant la porte là. Ils sont où? Ils sont où? Là-bas, 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 là-bas. Vas-y, mais... Je vais péter un câble, je vais péter un câble. Y'a pas de porte! Y'a pas de porte! Je vais l'enflammer, celui qui est là. Boum! Il faut quoi? Personne, mais what, il est mort. Mais ils font quoi? Ils sont insupportables, mec. C'est insupportable. Ah ouais, mais recherche pas. Purée, mais non. C'est trop dur, ça vient de partout. Il y en a qui est en train de désamorcer une bombe. C'est mort. Je m'accroche à la vie, moi. Y'a pas des mecs qui sont en train de désamorcer une bombe, rassure-moi. Mais purée! 30 mètres, va, check. Va. Viens me rire. Tu t'en fous, tu me rires. Y'a plus beaucoup de temps à tenir. Oui, t'es le meilleur. Et il lui a piqué son arme.
5 secondes. On peut le faire. Les bombes sont avancées. Midi-kit, c'est bon, alors, j'en ai marre. Alors, il va bien que neiger de l'or. Il reste des gens là, la mission elle est finie, mais il reste des gens. Je crois qu'ils vont disparaître au fur et à mesure. Ah non, il est là. Quoi. Mais cours. Désolé les gars, désolé, je veux pas courir. Je crois que c'est bon. Alors serre bien le trou de balle et admire le spectacle 100% son et lumière de la justice dans toute sa splendeur. Oh mon chien. T'es un putain de héros pour l'Amérique. Ça peut exploser tellement. Je vais aller rire à mon chien. C'est ça qu'on est. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. On est des pionniers. On est là pour rester. Go vers le chien. Et il m'a ri à plein de fois. Sans lui, j'aurais jamais réussi. J'arrive. Attends, je prends mon temps à récupérer les balles quand même. J'arrive. Ah, c'est bien, tu vois. C'est bien. Je serais pas là, j'aurais pas réussi la mission. Il m'a arrêté deux ou trois fois. Deux fois, je crois. Il y a quoi dans la mine? Oh, ça a flippé. Oh mais c'est... Il est où là? Ok. Ça va, ça, c'est cool quoi, ils ont fait une mine. Il faut bien penser à plusieurs choses quoi. C'est cool, c'est cool. Grâce à toi, je peux de nouveau boire au Spread Eagle. C'était censé être super simple. Descendre dans la mine de Whip. Toi, t'as perdu les pédales. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, la tête. Il est quoi là-dedans? Oh my god. C'est juste ça. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a des gens là. On va les tuer de fer. Oh là, tu passes devant moi, je vais tuer, c'est pas exprès ça. Bat. Boum. Eh les gars, vous voulez voir un truc stylé? Boum. Ouais, je vais voir combien de temps il reste de vidéo. Bon les gars, on va se laisser pour cette vidéo. Prochaine partie, donc je vous l'avais déjà dit dans l'épisode 6, parce que là on est épisode 7, je fais les missions d'abord de cette île. Donc en fait, il faudra que j'essaye de faire plein gaz. Donc c'est chaud parce qu'en fait, faut ramener un camion de gaz à cette ville. Mais en fait, c'est facile d'en prendre un de camion de gaz. En fait, faut tuer les gars. Et en fait, quand on tire dans le camion, et ben il explose. Sauf que quand tu prends le camion, ben il y a les gars, ils tirent sur le camion. Et du coup il explose, j'ai déjà essayé plein de fois, j'y arrive pas. Il faudra que j'essaye de faire ça. Sinon il y a un autre truc à faire à la ferme aux citrouilles. Je crois plus qu'on ira faire ça. Bon allez, sur ce c'était l'épisode 7. Et à la prochaine pour l'épisode 8. Allez, bye bye.